Justement, nous sommes en direct de Kinshasa avec le candidat de la coalition Lamouka, Martin Fayoulou. Bonjour, on vous a entendu contester ces premiers chiffres provisoires. Monsieur Fayoulou, vous êtes tout de même arrivé second avec 34,8%. Ce n'est pas rien, mais vous avez évoqué ce matin un putsch électoral chez nos confrères de RFI. Pourtant, ce sont des résultats de la CENI, reconnus par le camp Kabila lui-même. Est-ce que ça veut dire que vous ne reconnaissez pas la commission électorale ? Je ne reconnais pas ces résultats parce que nous avons le résultat. J'ai fait plus que ça, près de deux fois plus que ça. Monsieur Félix Tshisekedi ne fait pas 20% dans les résultats que nous avons. Et la conférence épiscopale nationale du Congo a des résultats. Et les résultats sont connus. Et les résultats sont connus des Congolais parce que après le vote, on a procédé au dépouillement. Et après le dépouillement, les résultats ont été affichés dans chaque bureau de vote. Mais Monsieur Fayoulou, la CENCO n'est pas un organe habilité à diffuser ce genre de chiffres, ce genre de résultats, vous êtes d'accord? Je suis tenté d'être d'accord avec vous, mais la CENCO a observé les élections. Mais quand vous avez un organe habilité à donner des chiffres, à organiser les élections, et que cet organe se met à trafiquer les chiffres, à construire les chiffres, pour travestir les résultats des élections. Et ça, comment voulez-vous avoir confiance en cette organisation? Non. Et nous avions des témoins, nous tous. Nous avons le résultat. On ne va pas dire parce que nous ne sommes pas habilités à donner des chiffres et que nous allons croiser les bras et accepter les chiffres de la CENI. On comprend.